suis dans le cadre. Ouais. Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente un accessoire qui va être très pratique pour vos répliques de P90. Donc là, je vous présentais ça sur le P90 de chez Classic Army. Mais normalement, ça doit fonctionner sur toute réplique de P90. Donc c'est tout simple, c'est une AmmoBox. Donc une AmmoBox là, fabriquée par, de chez Q. Donc Q Airsoft. Une AmmoBox qui sort à peu près aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Et on va attendre que la voiture passe. Voilà. Donc comme je disais, une AmmoBox qui tourne à peu près à 50 euros. Donc je vais vous montrer déjà l'installation. Donc pour l'installation, c'est simple. On enlève le chargeur du P90. Et on vient glisser l'AmmoBox à sa place, quoi, en gros. Hop. Hop là, voilà. Donc là, l'AmmoBox est fixée. Et donc le but va être de la remplir par ici. On ouvre la trappe qui est là, on remplit de billes. On prend un chargeur type M4, donc chargeur ICAP obligatoirement, ça ne marche pas avec des chargeurs mid-cap. Chargeur ICAP qu'on va ouvrir et venir insérer ici. Tac. Et le concept, c'est que les billes qui vont être ici, je suis bien dans le cadre, oui. Les billes qui vont être ici vont remplir le chargeur ICAP et en moltant, vous allez faire repartir les billes au niveau de la réplique pour après qu'elle soit tirée, quoi. Mais donc, par rapport à un chargeur ICAP de P90 qui contient environ 300 billes, par rapport à ces chargeurs-là de P90 qui déjà sont de la merde et qui contiennent à peu près 300 billes, là, vous passez à environ 1500 billes de contenance. Donc autant dire que ça fait du bruit, mais vous avez de la munition, il y a de quoi faire. Donc en plus, ça donne un petit look un petit peu sympathique. Par contre, un petit détail qui n'est pas du tout pratique, c'est quand on est gaucher. Quand on est gaucher, c'est ce bras-là donc, qui va tenir la réplique. Et bah, là, au niveau de la AmmoBox, ça coince très sérieusement. Donc, pas du tout adapté pour les gauchers, hein, en même temps. Hein. Les gauchers, c'est 9% de la population, donc par extension, 9% des airsofters. Donc, ça vaut pas le coup de faire des pièces spéciales pour gauchers, à mon avis. C'est un petit peu dommage, parce que c'est réellement pratique. Seulement là, si on est gaucher, c'est plus emmerdant qu'autre chose. Bon, sinon, si on est droitier, il faut juste faire gaffe quand on épaule, à pas se foutre un coup d'AmmoBox dans le nez. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas top. Faut s'y habituer au jeu avec, mais ça donne un look plutôt sympathique à ce fameux P90. Donc voilà, une AmmoBox de chez Q, fabriquée donc principalement ABS avec le rail là en métal et quelques pièces à l'intérieur en métal, que vous pouvez trouver donc, en moyenne pour une cinquantaine d'euros. Ça peut valoir le coup, c'est pas très discret parce qu'une fois qu'elle est remplie, ça fait un bruit, quoi. Ça fait un bruit assez ouf avec toutes les billes qu'il y a dedans. Mais capacité d'emport de 1500 billes, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, la présentation de cet accessoire est terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire et un abonnement. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut salut et airsoftez bien !